Tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur Arma 3. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessus, mais en même temps, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, le serveur est en plein développement. Voilà, donc pour le moment, on n'est pas nombreux. Alors déjà, il n'y a pas de flic, c'est très bien. Il y a eu énormément d'évolutions dans le serveur, beaucoup de changements. Là, pour le moment, il y a un médecin, c'est plutôt bien, ça peut être bien. Il n'y a pas de flic pour le moment. Par contre, monsieur Hitoshi Yagami, ce gentil monsieur est rebelle. Donc, va falloir s'en méfier. Mathieu, fondateur du. Fondateur, administrateur, tout ça du serveur. Donc salut à toi, l'ami. Et puis un grand merci pour le serveur encore une fois. Hein. Tu fais un boulot vraiment topissime. Je sais que si je dis pas de bêtises, je crois que tu es épaulé au moins par une personne pour le mapping, tout ça. Voilà, c'est pas plus mal d'ailleurs d'être à plusieurs. Parce que ça demande pas mal de boulot, vous faites un travail super les gars. Donc aujourd'hui les amis, on ne va pas être dans la peau de Nicolas Burkhard. De Nick Burkhard, pardon, parce que Nick Burkhard est gendarme. Donc j'ai un autre personnage et j'ai voulu faire un peu le gangster, disons ça. Il s'appellera Nikolai Zatamovich. Alors, avec Nikolai, j'ai déjà fait quelques petites magouilles. Je vais vous en parler tout en prenant les véhicules, tout ça. Aujourd'hui, on va partir sur du trafic de tortues, les amis. Il y a pas de flic, on va en profiter. On va commencer avec les tortues gentiment, hein, et on verra un peu plus tard après pour du plus lourd. Alors, pour ce qui concerne les petites magouilles, vous voyez, la mise à jour quand même assez lourde. Là, je sais pas ce qui nous a fait de neuf, mais c'est du costaud. En ce qui concerne les petites magouilles, en fait, j'ai. Bon, s'ils regardent mes vidéos, les mecs, ils vont savoir que je me fous de leur gueule, mais normalement, ils doivent pas le prendre en compte s'ils jouent vraiment bien RP. En fait, il y a une famille de rebelles, donc la famille Corleone, si je dis en même temps. Et voilà, ils disent qu'ils sont 7, mais j'en ai jamais vu 7. Bref, en fait, je revenais de ma maison, tranquillement. Alors, ma maison qui est là. Voilà. Moi, je suis là. Je suppose que t'es là, là. En fait, ils m'ont arrêté sur cette route-là. Alors, je sais plus où exactement. Avec un véhicule, parce qu'ils sont. Le camp rebelle est là. Ils avaient un véhicule blindé rebelle. Ils m'ont stoppé net, ils m'ont braqué, donc ils m'ont juste pris mon arme à feu, ils m'ont réparé gentiment mon véhicule, tout ça. Enfin bref, voilà. Après, je me suis dit, mais vu que je veux foutre la merde moi aussi, un petit peu, j'ai pas envie d'être un gentil garçon, pourquoi pas essayer de m'associer avec eux ou voir ce qu'on peut faire. Alors, on va se mettre comme ça, voilà, j'ai déjà la tenue de plongée, j'ai déjà tous les gens. On va vérifier s'il y a de la bouffe, normalement oui. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc du coup, petit SMS, tout ça, je leur explique que voilà, qui je suis, tout ça, que je suis russe. Alors j'ai fait comme si j'étais un mafieux russe. Que donc la mafia russe c'est la Bratva, bien évidemment, que j'étais un capitaine de la Bratva carrément. Et le plus génial en fait, c'est que les mecs, apparemment, les Corleone là, et ben ils se baladent de serveur en serveur. Et il se trouve que j'ai la chance que sur d'autres serveurs, il y a réellement une Bratva en fait. Il y a vraiment des gars qui voilà, qui sont la Bratva et que voilà. Donc moi je suis rentré dans le jeu du gars. On s'est retrouvé, on a parlé un peu, je lui ai dit oui, vu que je suis capitaine, on m'a envoyé sur ce serveur pour non, j'ai déjà le bateau, normalement. Et on m'a envoyé sur le serveur. Ah bah, il t'est détruit lui. D'accord. Alors attendez. Voilà.
Récupérer. Ah, bah ça marche toujours pas, hein. Bon. Ouais, merci à toi, Pota. On va lui répondre quand même. Bon, bah ça marche toujours pas. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc en fait ils sont rentrés carrément dans le jeu. Je leur ai dit oui, on délocalise la Bratva. Enfin non, on agrandit la Bratva sur d'autres serveurs, tout ça. Et on a conclu un accord que maintenant ils me braquent plus. Donc déjà c'est un bon point. J'ai juste à le signaler quand je suis sur le serveur, à leur dire bon pour le moment ils sont pas là. Je leur envoie un petit message, ils se préviennent entre eux, tout ça. Oui. Voilà. Sinon, ils m'ont dit que si je voulais un peu trafiquer, donc ça c'est ma petite barrique de merde, j'ai mis deux coffres. Si je voulais trafiquer un peu dans le quartier, là, enfin dans le coin, bah en fait, il faudrait que je leur paye une taxe en fait. Ou alors qu'on conclue d'un accord qu'au bout d'un certain temps, ils me foutent la paix, mais qu'au bout d'un certain temps, je dois leur filer un peu de cash, quoi. Donc ils sont bien gentils, mais du coup, j'ai dit oui, pas de soucis, tout ça. L'avantage, c'est qu'ils se connectent en fait super tard, donc du coup, bah, ils l'ont complètement dans le cul, hein, clairement. Ça fait un petit bout de temps, je vais vous montrer hein, que je farme un peu quand même. Regardez mon compte en banque. J'ai 2 847 000 et encore j'ai des véhicules, tout ça, enfin voilà. Pour le moment, je leur mets bien profond, sans vouloir être trop grossier, hein, vous m'excuserez. Voilà. Après, il faudrait éviter que je les croise. D'un autre côté, ils sont deux au courant pour le moment, hein, sauf s'ils se sont parlé depuis entre eux, mais apparemment ça a l'air d'être un peu le bordel dans leur famille. Ils sont deux au courant pour le moment, apparemment, donc ça va. Je pense que je suis tranquille. Et voilà. Donc mon but, bien sûr, ça va être de devenir rebelle. Donc la base des rebelles, elle est là, le camp des rebelles. Et pour devenir, rien que pour devenir rebelle, il vous faut 3 fucking millions d'euros. Voilà. Comme ça, vous comprenez pourquoi j'aime bien dealer un petit peu par là, là. Si c'est bien pratique. Avant que, enfin, le problème de bateau est toujours pas réglé, donc voilà. Mais en fait, avec la voiture, je me gare là, j'y vais à la nage, c'est pas loin, je pêche mes tortues, paf, je reprends la voiture, je viens là, paf, dealer de tortues. Hop là, vous comprenez pourquoi j'ai pris une maison ici, il y a le spawn à bateau, tout ça, voilà. Je suis à côté de la base du camp rebelle. Voilà, dans mes coffres de maison, j'ai pas montré ce que j'avais dedans. Je vous le montrerai pas. Si je peux vous le dire, il y a un fusil de chasse avec des munitions. Il y a plein d'autres trucs. Je vous dirai pas quoi. Au cas où, il y en a qui joueraient pas RP. Hein. Voilà. Voilà. Bah du coup, ouais. Du coup, vu que ça marche toujours pas le spawn des bateaux, je vais me déco-reco en fait. Hein. On va spawn à la Trinité pour. On va spawn à la Trinité pour avoir un véhicule. Voilà. Bon bah je vous dis à tout de suite les amis. Ok, bon bah il est là, on est venu me chercher du coup. Comment ça va? Oh, toi. Ça va, ça va. Du coup, ouais, tu peux m'emmener un garage s'il te plaît? Pas Parce loin. que le bateau en fait il Ouais, pète. je sais. Il pète à Je t'ai chaque dit fois. ouais, mais c'est le souci arrivé, mais. Tu t'es pris une petite Ford bien sympathique. Bon, quoi de neuf toi de ton côté? Rien? Toi, ouais. Moi je me fais un peu de sous. J'ai magouillé avec les Corleone Ah ouais. pour qu'ils me foutent la paix en fait. Ah. Parce qu'ils m'ont braqué une fois, après je leur ai dit que j'étais un mafieux russe, et du coup ils m'ont dit ça serait bien qu'on s'associe, tout ça.
et qu'on prenne le contrôle de tous les points de revente ou alors de traitement, tu vois, pour taxer la marchandise ou alors le pognon aux joueurs, leur demander une taxe. Et pour le moment, ils me demandent une taxe, moi, si je veux farmer. Oula, ils me demandent une taxe. Et bah en fait, je leur ai dit, bah à ce moment-là, je vous file une taxe, vous file du fric tous les mois, quoi. Ils m'ont dit, ok, pas de problème, tout ça. Et puis, je leur ai dit, je dis 500 000 par mois, je dis, ça vous va, tout ça. Ils me font, ouais, c'est correct, ok, pas de problème, tout ça. Donc en gros, bah là, je dois être à peu près, je leur dois à peu près 1,5 million, je pense. À peu près. Sauf que, bah, vu que. Quand je farme, quand je suis là, bah, ils sont pas là. Ou alors quand ils sont là, je me planque. Et ben bah, ils l'ont dans le cul. Tout simplement. Et voilà, j'attends d'être un peu mieux équipé pour les accueillir gentiment. Je sais qu'ils ont eu un accrochage l'autre jour à la gendarmerie avec les. Oui, donc, avec les flics. Les flics en ont descendu deux, je crois bien. Merci bien. Bah bonne pêche. Ouais, merci. Bah, à la prochaine. Si t'as besoin, tu fais signe. Change de passe avant de sortir ta voiture. Ouais, t'inquiète. Voilà, alors. C'était Matthew. Et bien évidemment, bah, de toute façon, il a ce nom-là dans le jeu, donc je peux dire que c'était Matthew. Bah écoutez, on va prendre la Clio, parce qu'en fait, ouais, j'ai pas pensé, mais il a enlevé des add-ons en fait du serveur. J'avais un joli petit Ford, espèce de petit 4x4, Ford bien sympa, bien rapide, qui était pas mal pour semer les flics. Mais du coup, bah, il a disparu, parce qu'il a été obligé de supprimer des add-ons pour. Tout simplement parce qu'il y a un gars qui lui a cassé les couilles pour des droits, tout ça, des droits juste pour les véhicules, quoi. Je comprends quand y a de la recherche, tout ça, que les mecs ils font des add-ons de ouf, que ça apporte du contenu réel au jeu, c'est-à-dire, je sais pas, des actions, des trucs comme ça. Mais là, c'est juste le mec, il a pris des bagnoles, quoi, c'est juste des voitures. Et ils l'ont fait chier pour ça, donc du coup il a été obligé de les enlever, malheureusement. Alors que la plupart des modes du jeu là, bah, les gars sont plutôt sympas, sont même très sympas d'ailleurs, et du coup ils nous laissent utiliser les add-ons, enfin ils laissent Matthew utiliser les add-ons, c'est pas mon serveur, je vous le rappelle. Voilà, je m'en doutais. Putain de merde! Ah, fait chier, j'ai rien pour réparer en plus, je crois. Eh ben, bon, ben ça c'est fait, ça commence bien. Message. Je viens de me planter. Peux-tu venir me dépanner? Et m'apporter une boîte à outils de secours. T'inquiète, je te payerai. Paf, envoyé. Voilà, j'espère qu'il va répondre quand même. Il va se dire, putain, il commence. C'est con parce qu'on est à côté. On est à côté, putain. On n'est pas loin, sa grand-mère. On n'est pas loin. C'est vraiment chier. Je suis à la sortie de Oudan. Ok. Ok, oui, il me demande, on va se préparer. On va le mettre. Voilà, Mathieu. Je suis à la sortie de Oudan. Voilà.
Donc le temps qu'il arrive, les amis, je vais en profiter pour vous reparler en fait du serveur. Voilà. Donc pour en fait rejoindre le serveur, il va vous falloir plusieurs choses. Il va falloir aller sur le forum, bien évidemment. Les liens, je les remettrai dans la description, je pense que ça sera le mieux. Sinon, ils sont dans, si j'oublie, au cas où, ils sont dans la description de la toute première vidéo quand j'annonce l'ouverture du serveur, tout simplement. Vous allez sur le forum, il y a tout ce qu'il faut, donc le TS, tout ça. Et une fois que vous êtes sur TS, donc TeamSpeak pour ceux qui préfèrent, et une fois que vous êtes sur TeamSpeak, vous avez l'IP du serveur, vous avez le mot de passe, le lien pour choper la donne sur Steam. Parce qu'avant c'était un launcher à télécharger sur internet, on a eu des problèmes, il y a un connard qui l'a hacké, qui a mis un virus dedans, donc voilà, c'était le bordel. Donc du coup via Steam c'est plus sûr, c'est plus sécurisé, on n'a aucun problème avec la donne, c'est parfait comme ça fait très plaisir. Voilà. Voilà. Attendez, parce que j'ai dit que je le payais, mais j'ai un peu de liquide sur moi. Ah oui, c'est bon, j'ai 7009. Bon, c'est cool. Voilà, on va le dépanner gentiment. Si vous voulez, je vous montre un peu l'arme. De toute façon, on va se la mettre dans les mains. Voilà, donc c'est le SDAR 5,56 mm avec des chargeurs de 20 balles. Les balles traçantes, c'est des restes en fait. C'est du grand n'importe quoi. Je me souvenais plus avoir ça. C'est des restes quand on a testé, qu'on a mis en place l'arme, qu'on a testé sur Lotil, qu'on était sur Altis. J'avais ça dans la Clio. D'ailleurs, je crois que j'ai encore des trucs dans la Clio. Ouais, j'ai encore un sac. C'est que voulez-vous? Si j'avais mis ça dedans, j'avais entendu de la fusillade, je crois que j'avais tout foutu dans la Clio. Puis je m'étais barré au plus vite. Et du coup, j'avais bien fait parce que je m'étais fait descendre. Oudan. Enfin, je regarde par là, mais ça se trouve, il va arriver de l'autre côté. Dépêche! J'ai envie d'aller pêcher de la tortue. On va faire de la soupe. La tortue, je crois que c'est 3000 l'unité, je suis pas sûr. Enfin bon, en tout cas, on peut en ramasser pas mal. Dans les 3000, faut qu'on prenne 25 000 déjà pour l'arme. Les chargeurs, bien évidemment. Moi, j'en ai 22 ou 23, je crois. Mais l'avantage, c'est que pour le moment, les flics, ils vont pas venir vous faire chier sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire. On va couper hein, le temps qu'il arrive là. Pas ce qu'il fait. Mais on va couper le temps qu'il arrive et puis on se retrouve une fois qu'on sera dans l'eau. Hein? À tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Donc c'est bon, c'est réparé, tout va bien. Il a été très généreux. Il m'a filé deux kits de réparation. Bon, je lui ai filé 2000 balles, hein, sachant que ça coûte, je sais plus, 350. Le kit de réparation, je crois bien. On va essayer de se trouver un petit endroit bien posé sans se planter la gueule, parce que du coup j'en ai plus qu'un maintenant vu que j'ai réparé mon véhicule. Là c'est pas trop mal, c'est pour en fait essayer de planquer le véhicule pour pas être trop visible vu que là on n'est pas en bateau. Voilà, j'ai pas envie de, je sais pas quand les flics, si les flics vont arriver ou quoi. Donc du coup, on va éviter de se faire gauler. Ouais, on la voit pas. Ouais, faut vraiment faire gaffe pour. J'aurais peut-être dû la mettre un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, let's go. Voilà. Donc en tout cas, bon bah, je vais demander à nouveau les liens pour si, pour ceux que souhaiteraient nous rejoindre. Ils seront dans la description. Et c'est parti, let's go. Dans les profondeurs marines. Alors je sais que bon, ça rapporte clairement moins que la tortue. Alors attendez, on s'en fout, de toute façon on peut respirer.
Voilà, donc là faut que j'aille tout droit. Est-ce que le marchand de poissons, place du marché, traitement de cuivre. Ah, poissonnerie. Voilà. C'est qu'en fait il y avait le poissonnier, mais il n'y avait pas les points sur la map. Je savais pas où vendre mon poisson. Donc du coup j'empêchais pas. Oh putain, il va faire nuit, quelle merde. Non, c'est pas grave. Du coup, en poisson, le thon, c'est pas mal. Ah bah voilà, déjà première tortue. Mais bon, ça rapporte pas autant que la tortue, mais c'est toujours ça, quoi. Bon, il leur faut quand même quelques balles, hein. Les poissons, c'est une balle, mais les tortues, un peu plus. Ce qui est, ouais, ce qui est plutôt normal, je vais vous dire. Il y en a une autre là-bas. Là, de toute façon, regardez, on est en plein dans la zone là. Voilà, et encore, je suis même pas en plein milieu. Ah, bonjour! Ah, fuck, ça marche pas. On n'entend pas les pio, pio, les petits bruits de je me prends des balles. Voilà. Ah si, ça a dû marcher parce que vu que là je l'ai tapé en une balle. Hop! Donc l'avantage aussi en fait cette méthode de pêche, on va dire, qui est un peu violente et archaïque, c'est qu'en fait si jamais déjà vous pouvez vous barrer au fond de l'eau, s'il y a les flics à la surface, vous pouvez vous barrer au fond de l'eau. Puis aller à perpète, c'est pas dit qu'il vous trouve. Et en plus de ça, vous pouvez tirer. Vous pouvez très bien leur tirer dessus, étant donné que votre arme peut tirer sous l'eau, alors que l'arme des flics ne peut pas. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Pourquoi je vois flou là? Le recycleur, il marche pas? Voilà, mon petit Clio qui est là-bas. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver nos petites tortues malgré la nuit. Merde, je l'ai perdu. Alors. Ah oh, putain non! Ouais bon bah là écoutez les amis, j'ai pas le choix. Eh, on voit encore la Clio! Hé hé! Ouais, faut... Non, c'est pas cool en fait. Parce que la voir aussi bien de loin comme ça, pleine nuit. Ah non, c'est bon, on la voit plus. Pourquoi on voit plus rien. Bah, du coup, les amis, on va attendre que le jour se lève. Parce que sinon, ça va être la grosse merde. 19h, il fait noir comme pas possible, hein. On voit pas à 10 mètres. C'est quoi ce délire, hein? En même temps, j'aurais dû prendre mes lunettes nocturnes. Bon, bah, les amis, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Quand le soleil se lèvera. Ok, re, les amis. C'est bon, donc il fait jour, on va rechercher, voilà, notre tortue est là. Hop, bon bah elle avait pris pas mal de balles déjà. Il y en a une autre là-bas, monsieur merveilleux! Alors il y a des fois, faut les rechercher, hein. Des fois je vous le dis direct, c'est assez relou d'ailleurs, faut en chercher longtemps. Oh, que de balles. Ah ouais, en fait elles sont buggées, je pense. Faut les taper au bon endroit, je pense que c'est pour ça. Pas de petite tortue à l'horizon. Une tortue à 3000 balles en 2 balles, c'est rentable. Sachant que je crois que c'est le chargeur de 20 balles, de toute façon, c'est 75 $, je crois. Le plus cher en somme, c'est l'arme, mais elle est relativement vite remboursée. Ah, ça, regardez. Ça ressemble à une espèce de requin ou de petite roussette. Et en fait, non,
Si t'as un poisson-chat, Voilà. Poisson-chat dans la mer. C'est. Voilà. C'est la logique des jeux vidéo. Faut pas chercher. C'est comme ça. Le macro, le ton, d'accord. Poisson-chat, non. Ou alors il existe des. Peut-être qu'il existe en fait des poissons-chats qui vont dans la mer, je ne sais pas. Oh les tortues! Ben, on en a eu 3 ou 4 la suite et puis là maintenant plus rien. J'écoute ça. C'est pêche? C'est Rikiki? Ah voilà, il y en a une là. C'est bon, concrètement, les autres poissons, parle-t-on à la limite? Qui a là-bas par exemple les gros machins là, que de loin on pourrait croire que c'est des requins, ça à la limite ça rapporte, c'est 700 je crois. Connasse, voilà, vous voyez de loin on pourrait dire que c'est un requin, hein. En fait plus il s'approche, bah non. Oh, tu te fous de ma gueule, Brigitte? Oui, je me fous de ta gueule, tu me tueras pas, tu m'auras jamais. Et putain! Fichtre! Elle a la peau dure, la garce! Tu vas voir. Ah bah mon vieux! Et j'ai quasiment vidé un chargeur juste pour une tortue, quoi, c'est abusé ça! Attendez, combien on en a là? 5! Bon, ça va, c'est vite remboursé. Le thon, voilà, le magnifique petit thon. Bon, bah, lui, concrètement, hop, pas besoin de grand-chose. Ça rapporte 700 balles, donc c'est correct. Mais ça. Si, c'est bien parce que ça paye les munitions, au pire, mais. Mais voilà, quoi, la tortue, c'est mieux. Bon, on va s'en faire quelques-uns quand même, parce que bon. Les tortues, c'est pas ce qui court les rues. Coupé. Ah, parce qu'il me semblait que je. Oh, fais pas le malin, toi. Toi, fais pas le malin. C'était au hasard. Tu seras mort avant de dire police. Hop. Tortue, petit, petit, petit. Les petites tortues. On va quand même pas chanter la chanson de. On a tous entendu, je pense, quand on était petit, la chanson de la maman tortue avec ses bébés tortues. Hein? Ça risque de devenir légèrement gênant. Ah bah voilà, quand on parle de tortue. Un magnifique thon aussi. Oh, deux tortues! Oh, trois tortues! Oh! Oh là là, la mine d'or! Alors attendez. On va essayer de pas les perdre de vue quand même. T'es où toi? Viens là, Brigitte. Brigitte, t'es morte. Ah oh bah, tant mieux. Impeccable. Ah, les deux autres, elles sont là. Voilà. Brigitte 1, c'est fait. Brigitte 2. Alors, j'ai une blague de merde hein, qui me vient à l'esprit. Mais. Brigitte Parallo, Brigitte Bardot. Oh oh oh! Quelle boutade! Monsieur, vous avez beaucoup d'humour. Les tortues sont mortes de rire. Ah, punaise! Mais le temps, hein, Brigitte 2. Et là, Brigitte 3. Il peut y avoir une petite Brigitte 4 ailleurs dans le coin, là. Pas très loin. Ça m'arrangera bien. Mais à bout portant, ah, faut leur tirer dans le cul, en fait. Ok! Tiens, Michel! Désolé Michel, pour éviter que Brigitte elle se sente un peu trop seule. Hein, tu m'en veux pas. Est-ce qu'on a encore beaucoup de place dans notre sac? Quand même, on est à 78 sur 104. On a 8 tortues, 3 thons, plus tout notre bordel. Avec la pioche, la boîte à outils, la flotte et la bouffe, bah d'ailleurs, on va s'alléger un peu. Concrètement. Alors. Est-ce que quelqu'un. Oh, il y a un Michel là encore. On va accélérer. Et bim! Voilà. Merci Michel. Vous êtes bien aimable. Alors concrètement, on n'a pas le bateau.
Dans la Clio, je ne peux rien stocker. Donc c'est la grosse merde. On est bien d'accord. Oui, les Clio ne sont pas faites pour transporter des choses. Et concrètement, pour faire trafic de tortues, qui y a là juste devant moi, je n'aurais pas pris mon gros camion. Parce qu'à cacher, c'est pas. Voilà. Je suis pas. Moi, quand je trafique, je suis pas con non plus. Ah, ok, j'ai pigé le truc, quoi. Il va falloir taper dans le cul, en fait, à ces saloperies. Mais quand je trafique, moi, voilà, je trafique, mais discret. Je mets toutes les chances de mon côté pour pas me faire gauler, quoi. Parce que, bon, truc illégal. Bertolone Enzo a été tué. Ah ah! Est-ce qu'il y aurait eu une petite embrouille entre Monsieur Matou et Monsieur Bertolone? En même temps, Bertolone, c'est pareil. Ça fait gros nom de méchant. Mais le pire, c'est que lui, je crois qu'il est médecin en plus. Alors, si les médecins commencent à... Voilà, il est médecin. Alors, si les médecins commencent à se foutre la gueule en l'air, ça va vraiment pas le faire. Ça va être galère. Ça va être très chiant. Ça va être très chiant. Après, on peut jouer à leur tendre des petits pièges. Comme des gros enfoirés. Hein. Comme ça, on les braque en fait. On braque les médecins. Le problème, c'est qu'après, si on fait ça, bah. Quand ils reçoivent un message de nous disant ouais Nicolas machin il a besoin d'un si le gars a besoin de soins si le gars il se souvient ouais bah non lui je le laisse crever parce que la dernière fois que je suis venu de l'aider bah il m'a tué quoi enfin oui il m'a braqué ou peut-être pas tué hein mais au moins braqué quoi allez on espère que ça va rapporter quand même cette petite pêche j'espère j'espère. Comme ça, on aura accès à la boutique Rebelle. Viens là, mon joli. Je t'ai loupé. Ah ouais, je vais dire, putain, et oh, abuse pas, hein, je t'ai pas loupé, mec. Par contre, je veux bien te ramasser aussi. Non, c'est pas possible, ça. Ah, je suis peut-être plein, remarquez. Ah ah, oui. Alors, ce que je vais faire. Je vais faire. Hop, on va en enlever un. Ah bah oui, c'est que j'étais plein. Bon bah on va prendre celui-là du coup. Ok. Et une munition perdue pour rien. Une. Donc c'est parti les amis, nous allons vendre notre petite pêche et on va voir ce que ça donne. Bon concrètement c'est les tortues hein, qui vont rapporter plus de monnaie. Et on va commencer par vendre les tortues parce qu'au cas où un flic débarque sur le serveur, au moins on sera tranquille, au calme. S'il nous arrête... Vous avez une arme? Oui, regardez, j'ai une arme. C'est mon arme pour faire de la pêche en plongée. Est-ce que vous avez des choses illégales sur vous? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous avez été pêcher? Le thon. Et j'ai les preuves à l'appui. Voilà. Après, s'il me fait chier, c'est un connard. Un sale flic. Voilà. Un pourri. Un ripou. Bon, allez. Une petite troussette. Après, je suis curieux. Comment voulez-vous choper ça? C'est chaud. Je peux le ramasser? Ouais! Ah, une ornate. Ah, ces ornates qui sont comme ça, d'accord. Ok, les petits jaunes, c'est les ornates. La mer est déchaînée, les amis. Regardez-moi ça. Les ornates, ça rapporte je sais plus combien, rien du tout, je crois. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous êtes en bateau, vous faites lancer le filet de pêche, ce que vous remontez le plus régulièrement, c'est-à-dire les poissons-chats, les ornates, le saumon, ça rapporte que dalle. Alors qu'après, le maquereau et le thon, voilà, c'est l'idéal. Enfin, le top du top, ça reste quand même le thon. Qu'il faudrait avoir que ça dans ses filets. Après, vous pouvez pêcher pendant des heures et des heures et faire le tri aussi, hein, rien ne vous en empêche. Alors, peut-être poser son arme sur l'épaule. Notre petite Clio, alors surtout ne jamais laisser son véhicule ouvert. Parce que sinon, et je vous le dis direct, cache comme ça. Moi le premier, je vous le carotte,
Et j'emmène là. Là, là. Ici, là. Là, là. Voilà. Je leur vends. Comme ça, bah, vous perdez votre véhicule et l'argent investi dedans. Et du coup, moi, je gagne. En fait, vous, admettons, vous payez, vous achetez un véhicule 100 000. Bah, clairement, je regarde même pas, on s'en bat les steaks, c'est pas grave. Si vous l'achetez 100 000, bah, clairement, moi, je le revends et je me fais 50 000. Voilà. Peut-être plus, je sais pas en fait. Mais en général, c'est ça, c'est à la revente, c'est la moitié. Et c'est bien cool, ça fait plaisir. Faut encore qu'un joueur laisse sa voiture ouverte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends pas forcément des véhicules trop voyants non plus. Parce que bon. Ah oui, je sais où est le dealer de tortues, j'y ai déjà été quelques fois déjà. Hein. Hop. Enfin, le dealer. La pancarte dealeuse. Magasin Wang. Eh, on a 9 tortues quand même, les gens. Bah attendez. Du coup, on va faire 8. Donc ça nous fait 24 000. Ça fait plaisir. Et une seule, c'est 3 000. C'est bien ce qui me semble. Voilà, le petit trafic, c'est fini. Hop, on va aller voir pour le thon maintenant. Pour combien j'en ai. Je dois être à peu près équivalent, je pense, au niveau de thon. On va aller voir ça. Alors lui, par contre, je sais pas. Ah ouais, il est loin, lui. On va ici éviter de se planter la gueule, ce serait bien. Pour le moment, enfin, ça m'étonne d'ailleurs parce que. Actuellement, on est dimanche soir, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la première fois que je vois si peu de gens sur le serveur un dimanche soir, quoi. Enfin, je veux dire, soit les gens sont en vacances, donc partis, soit dans tous les cas ils sont chez eux en vacances, ou même au pire des cas ils n'ont pas de vacances, dommage pour eux, ce qui est mon cas d'ailleurs aussi, c'est pour ça que mes vidéos sortent pas régulièrement. Je travaille demain, mais je prends quand même le temps de me faire un petit plaisir, un petit jeu le soir comme ça, tranquillement. Ok, il faut que je continue un peu plus. Ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Hop là, c'était pas là là. On se met. Chou. Ah non, pas du tout. Oh là, pouh! Encore plus loin. Ok, ça va être par là. Alors, donc je vais essayer maintenant. Le serveur reste quand même relativement bien travaillé. On a beaucoup plus de trucs qu'avant. Du coup, c'est par là, non? C'est pas dans les cabanes toutes pourries là-bas, quand même. Ah non, putain, j'en suis encore loin en fait. Ok. Donc je vous le dis clairement, hein, la Clio, vous allez la voir souvent. Parce que voilà, c'est véhicule pas spécialement très rapide, mais au moins les flics, ils vous voient avec. Bah, je sais pas, ça fait le bon gars, quoi. Le gars qui. Ah, ça sera ça la poissonnerie là? Ce gros silo tout pas beau là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, les flics, bah, ouais, ils sont naïfs, entre guillemets. Mais ils vont plus facilement chercher à suivre un mec qui a une grosse Lamborghini, une Porsche ou quoi, qu'un mec qui a. Alors là, Ornat. Qu'un mec qui a une pauvre Clio de merde, en fait. Là, Ornat. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, 40 $. Ouais, ah, c'est de la merde. Ah, on a que 6 tons. Oh merde. Et le ton, c'est combien? Ah oui, c'est bien ça, j'avais raison, par contre, c'est 700 balles. Et ben voilà les amis, écoutez, 3 500, presque un peu plus d'une tortue. Un peu plus d'une tortue. Imaginez, putain, 6 tons pour 6 tons pour faire une tortue.
Enfin, 4 tons. Allez, 4 tons pour faire une tortue. Donc, du coup, on s'est fait 37 000 dollars. C'est que dalle. Je pense que quand les serveurs vont être tranquilles comme ça, je pense qu'on va farmer comme des gros porcs le tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est attendez c'est là voilà tout ce qui est alors là concrètement le pétrole est à 3 000. Oh la vache, il a pris cher le pétrole. Tout début du serveur il était à 5 000, là il a morflé. Ah ouais, maintenant ça vaut plus le coup le diamant, d'accord. Un goût de cuivre, ouais, ça a toujours été un merde. Oh, le fer, ça a grave baissé aussi. Le sel, bah, tout le monde fait du sel, donc tout le monde a fait du sel au début. Donc c'est normal, le verre. Sac de ciment. Ok, bon, bah, lingot d'or, hein, faut braquer la banque. Marijuana, 4 000. 3 009. Ouh, l'héroïne! Ouh, l'héroïne, les gens! Ouh, l'héroïne! Ouh, mais dites-moi! McFly, est-ce que tu aurais des idées pas très correctes? Alors attendez, le champ d'héroïne est ici. Il y a un dealer là. Il y a le champ de coke là. Traitement de l'héroïne. Wesh! Ah oui! Et quand même. Ouais, faut. Ouais, faut gérer. Parce que après être passé là, faut quand même faire tout ça, descendre là, à la limite passer là par les petites routes, faire un détour. Alors même pas, c'est risqué de se planter la gueule ça. Enfin bref, après descendre là, traitement de l'héroïne, sachant que les flics ne savent pas où sont les champs, les traitements, les revendeurs. Et ensuite remonter et dire de droit. Qu'est-ce que c'est ça? Levure de bière. What? Mise en bouteille de la bière, champ de houblon. Fabrique de bière. Ah ouais, mais ah ouais, il y a carrément 4 étapes pour ça. Gentil. Alors là, l'achat de l'or est là. Et la banque. Regardez où elle est, la banque. À côté de chez moi. Ça, c'est bon, ça. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je pense que je vais aller gentiment dealer. Qu'est-ce que. Pourquoi tu tournes tout seul là? Explique-moi. Explique-toi là. Voilà. Tu tournes pas tout seul, s'il te plaît. C'est moi qui décide. Non, bah apparemment, non. Ah, j'ai un problème. Ok, bon c'est pas grave, on va régler ça, de toute façon on changera de véhicule. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, un bon week-end, peu importe ce que vous voulez, ça dépendra à quel moment vous verrez cette vidéo. Je vous rappelle que tous les liens seront dans la description si vous voulez nous rejoindre. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien. Ciao ciao.